En fait, merci beaucoup. D'abord, je salue mes fans, je présente mes vœux à tous ceux et à celles qui me soutiennent et qui continuent toujours de le faire. Vous savez, vous avez dit quelque chose moi, qui m'a tellement choqué. Je ne suis pas un vendeur de coups, donc il faut voir dans tous les coins de l'Europe. Un artiste se fait désirer et c'est une icône. Il faut essayer de protéger l'image. L'artiste doit se protéger et protéger son image. Raison pour laquelle vous devez vous replier, parce que le cerveau que Dieu nous a créé, à un moment donné, a besoin de repos. Lorsque vous créez, à un moment donné, il faut seulement donner un repos au cerveau pour pouvoir essayer de reprendre vos. Et puis, faire de nouvelles créations. Donc, pour le moment, je pense que j'ai fini. Bientôt, les gens vont essayer d'écouter moi ce que j'ai fait de nouveau. Mais je suis toujours là, comme vous me voyez. Comme un poisson dans l'eau. Ce que vous venez de voir ici et de suivre à votre visu. En allant au fond du sujet, je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, on sache ce qu'on veut réellement. À chaque fois, lorsque nous allons toujours m'accéder à la pression, je pense que l'adversaire aura toujours le déçu. Donc, dans une lutte démocratique, il faut seulement souvent aller à la confrontation, sur tous les plans. Donc, lorsque nous allons toujours céder, à la fin, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont venus les remplacer, d'autres vont encore décéder, il y en a qui viennent demander, on va céder jusqu'à quand? Donc, il est temps aujourd'hui que les Togolais prennent leurs responsabilités. Nous ne sommes pas des politiques, mais nous avons des yeux sur les politiques. Et ce que nous avons à faire, à chaque fois qu'on nous aura fait appel, nous serons toujours là. Mais ce soir, ce que je viens encore de voir ce soir, c'est comme nous sommes en train de céder la place à nos détracteurs, à ceux-là qui essaient de nous piétiner. Et c'est inacceptable. Dans une république. À chaque moment, ça se répète, Donc, on dirait qu'il n'y a pas d'opposition. Oui, mais vous savez, lorsque vous voyez, par exemple, au Sénégal, c'est un exemple. Vous voyez le monsieur là, Sanko, se retrouver en prison. Même en prison, il commence par revendiquer ses droits. C'est ça un leader. Parce qu'à un moment donné, vous devez savoir ce que vous cherchez. À chaque fois, lorsque les gens vont dire non, ils vont envoyer des policiers. Les policiers, mais les gens sont des êtres humains comme nous. Il faut à un moment donné, qu'on se dise, ok, d'accord, nous allons essayer de vous dire ce que nous pensons. C'est à prendre ou à laisser. Mais là, à chaque fois, lorsqu'on, pour une petite pression, on cède, je pense qu'à la fin, le Togolais n'aura plus de leader qui pourra m'en parler à sa place. Donc il est temps qu'on dise, ça suffit. Il est temps qu'on se dise que ça suffit. Il est temps que les Togolais se disent, maintenant là, ça suffit. Soit ça passe ou bien ça casse. Parce que la liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Il faudra qu'on l'arrache. Mais si nous attendons que les gens viennent nous donner cette liberté, il y aura des choses qui vont se passer. Donc il est temps. On essaie de se dire, mais soit... Et pourquoi ailleurs, Faure Gnassingbé prône la paix ailleurs et que chez lui, quand les opposants veulent organiser quelque chose, et c'est interdit à chaque moment. Ça me fait très mal que nous n'avons pas pu vraiment faire cette réunion. Sinon, la nouvelle chanson que je devais véhiculer, c'était à fin. Lorsqu'un chef d'État récupère un prisonnier politique d'un autre pays et que dans son propre pays, il y a des détenus politiques qui sont encore en prison, à fin, c'est à fin. Lorsque des journalistes dénoncent les dérives d'une autorité et que donc cette autorité la reconnaisse qu'il a été mal volé et qu'à la place du voleur il prend plutôt les journalistes et les met en prison, ça aussi c'est à fin. Donc c'est tout cela que nous allons dénoncer. C'est inacceptable. On ne peut plus continuer comme ça. On est où là? Soit on est dans une république, soit on est dans une monarchie. Monsieur Rassili, merci. C'est moi qui vous remercie, mon frère.